Et salut tout le monde, c'est Brudaf, toujours en compagnie de Chobiti. Comment vas-tu, Chobiti? Coucou tout le monde. Bah écoute, ça va, j'ai récupéré mon cadavre. Enfin, pas l'intégralité de mon cadavre, malheureusement, mais. Du coup, ça va. Ok. Donc, on avait été un peu en exploration dans la montagne à l'épisode précédent. Ouais. Bon, il nous reste des sources dedans à déverrouiller, mais. Ah bah je vais en profiter, je J'allais vais aller faire un voir petit. Naya, lui demander des gouttes d'eau, des gouttes bénies. Moi, je vais aller voir l'autre truc du temple de l'art d'Arx. Oups, là. Alors, j'ai rien. Il est pas ouf cet inventaire. Je peux avoir un petit peu de bouffe. Un peu de bouffe un peu sympa. Ça. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Et peut-être une, deux, trois, ça. Et un comme ça. Voilà. Devrait déjà m'aider. Alors, Naya, donne-moi des gouttes bénies. Alors, le temple d'Arx, il est là. Il en faut combien pour ça? Ok, il en faut 3. Je pense pas qu'on en ait 3. D'ailleurs, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Non, il me sert qu'à faire des clés. Ok. Alors, le temple du passé dans les montagnes. On n'a peut-être pas tout exploré encore dans les montagnes. Non, bah je sais que quand j'ai récupéré mon cadavre, j'en ai profité pour pousser un petit peu plus loin et débloquer un autre portail qui était un peu plus loin. Et que du coup, normalement, bah, je sais C'est quoi plus lequel ça? j'ai débloqué du coup. J'ai une bâtisse dans une zone enfumée. Ah bah on y avait été celle-là avant. Il y a quelques épisodes. J'ai remarqué, tu sais, les petites les sortes de trucs roses autour là, mais qui ne nous attaquent pas. Ah oui. Je vais me TP là. Mais il me semblait avoir vu d'autres Aïe. choses. Aller par là. Y a rien à faire avec ces trucs-là. Non. Oui, donc là c'est le temple d'Arts. Ah, il y a un très joli arbre par ici, même si c'est absolument pas le délire de la chose. Wow!
Forcément, l'arbre il est pas en terrain neutre. Moi, ce serait trop marrant. Sud-ouest. Je vais prendre le talisman. Talisman. Boule de feu. Foutez-moi la paix. C'est tout. C'est là. Alors, tout droit par là, il y a des trucs à explorer. Ouch. Un coffre. J'ai bien choisi mon endroit, moi. Je crois que je vais essayer d'en repartir. Ça a l'air d'être plus ou moins le cœur de la corruption. Ah, je me fais attaquer par un truc là. Je te rejoins parce que là je suis. Mais un endroit où vaudra mieux être plusieurs de toute façon. Voilà. Et bien équipé. Mangeons, il paraît que j'ai faim. La suite, qu'est-ce qui passe? Il faut mettre des célestorches. Si je peux grimper avec toi, j'aimerais bien grimper. Je sais pas ce qu'il faut y faire ici. Ah, une célestorche, d'accord. Est-ce que j'en ai, moi, de la Célestorche? Moi, je suis à peu près sûr que j'en ai pas, je vais vérifier, mais... Si, j'en ai. Oh, GG. Mais il veut pas la planter. Ça ressemble à quoi la Célestorche? À une sorte de... gland. Tiens, je te la file. C'est pas ça que je voulais faire. Merci. Voilà, je t'en ai filé par terre. Merci. Ah ouais, mais vu qu'elle est sèche, on peut peut-être pas la planter. Ouais, c'est ça. D'accord. Elle doit être mais sèche. J'en ai pas de la fraîche. Ouais. Bah. Mais on doit en avoir à la maison. Ouais. Du coup, le plus simple pour aller à la maison, ça a l'air d'être par là. De sud-sud-est. Ouais, il faut
monter ou faut descendre? Je te vois pas là. Oui, j'ai soif, je Il faut soif, j'ai monter, c'est faim. en haut de la montagne. Ok. Quoi? Broubrou. Et j'ai succombé à cause du poison. Non, broubrou. Ah, je vais galérer à retrouver mes affaires. Ouais. Est-ce que si tu peux me ressusciter, ça m'arrangerait. J'essaye. Je vais t'amuser à voler autour de moi. Oui, bah oui, bah du coup. Hop, et je redescends. Est-ce que je peux? Parce que du coup. Lol. J'ai pas pu. J'ai fait interagir, ouais. Et puis ça a fait. Au revoir, Broudaf. Ah oui, il y a un certain temps pour agir. C'est un certain temps qui est vraiment très faible, je trouve. Oh. Et moi, je vais lui ramener le fragment montagnard. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir le nom du portail vers lequel je me dirigeais. C'était... Aster. Je dirais que ça devait être... Aster. Ouais, pour moi, c'est Aster. Enfin, je crois. Pas l'impression. Ah. Quand tu me diras, je sais pas où j'étais sur la carte au moment où je suis mort. Ah, t'as peut-être raison, ouais, t'as raison a priori. T'as ton point d'exclamation sur la tronche, Vidias. Qu'est-ce que tu veux? Puis-je te parler, Vidias? Non. Et j'ai mes affaires qui ont complètement disparu. Oh. Quand je me suis approché du point rouge sur la boussole, ça a disparu, mais je vois pas mes affaires. Oh non! Il est tout en bas de la montagne, elles ont dû rouler jusqu'en bas. Ouais, sans doute. Et quand c'est comme ça, c'est un petit peu relou! Ah oui. Tiens, il y a des étoiles déchues à récupérer. Déjà la famine. Mais laissez-moi récupérer mon corps! J'aurai des trucs à manger! Non! Est-ce qu'on peut manger ça? Est-ce que j'ai des choses à déposer dans le coffre? Bon, ça le fait. Ça le fait, ça le fait! Alors, petit temple droit devant. Ah, je retrouve plus du tout mes affaires. Ouais, bah ça va faire comme moi, vous savez, vraiment glisser, mais vraiment partout, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit pas genre dans un sac à dos ou un truc du genre. Même si c'est pas très RP. Pour que ça aide un petit peu. Quand tu chutes dans ces. C'est gentil, petite montagne. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé là où était mon stuff. Et cool. Alors j'arriverai peut-être pas à tout récupérer, mais. Ah,
Ah, j'ai pas pensé à me faire un petit cataplasme pour ma santé. Bah tant pis. Je t'attends avant de planter les Célestorches. Au cas où il nous arrive des Bah, tu petites... risques d'attendre longtemps alors, hein, parce que... C'est vraiment éparpillé partout de chez partout. Bah j'en plante une alors. Ah 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 ah. Bien joué! Ah oui, j'ai planté le Célestorche et c'est devenu un Célestorche des montagnes. Pas de regret, je t'attends pas? Non, je vais pas tarder à arriver, mais bon. Bon, je dois avoir à peu près tout là. Bon, allez. Irons voir sur ta vue ce que ça donne. Pas grand chose. Horos qui nous dit que le présent est la suite des conséquences de nos choix du passé. D'accord. Donc maintenant, il faut trouver le temple du présent. Tu nous compliques les choses. Temple du présent, quoi. Et après, il y aura le temple du futur. Peut-être. Et tu nous donnes vraiment pas d'indices, Horos. C'est méchant. Bah, le temple, il y en avait un qui servait à rien, là. C'est peut-être celui-là, non? Ouais. Enfin, qui servait à faire des clés uniques. Ah oui, carrément, le... c'est que je lag ou le temple il a juste disparu? Je dois être lagué, c'est tout. Ah non, le temple il a disparu, Roche, ouais. Je vais aller par là. Un petit coup. Alors... rien faire ici. D'ailleurs, du coup, question à la con. Genre, si on s'amuse à planter les Célestorches là, ça fait des choses? Céleste roche, pas Célestorche. Ah, c'est pareil! Bah, pas tout à fait pareil, hein. C'est des roches, pas des torches. Les gens, ils m'ont compris! Ou pas? Bon, ils ont renoncé à te comprendre. Ah, peut-être, peut-être. Peut-être qu'ils ont décidé que c'était trop compliqué. Et je leur en voudrais pas. Hop. Tiens. Ah oui, je toujours pas ce qu'il faut pour là. Ok, je suis là, ce qui n'a aucun intérêt. Explore. C'est quoi cet immense arbre? C'est un immense arbre avec plein de jolis petits avant-postes de spectre. Ouais, c'est pas mal, hein. J'y suis allé par accident et j'ai eu du mal à en ressortir par accident. Oh, suis-moi, ça va. Non. Je suis barré vite fait. Ouais, bah faut... Sauf que je voulais combattre un peu, mais en fait, il y avait vraiment trop. Là, je vois un temple en face de moi, plein est.
Alors. Est-ce que ce serait pas le temple en question Grimpe ma cocotte, grimpe. Pas les cailloux! J'étais en train de voler les cailloux! C'est la bête noire, ça, les cailloux. Encore! Ça serait des gentils cailloux, mais non, c'est des cailloux, ils t'attaquent, quoi! Techniquement, ils font que tomber, hein. Toi, tu te trouves juste sur leur passage. Non, je suis sûr, ils font exprès de tomber sur ma tronche. Parce que c'est plus marrant. Ça a l'air pas mal ici. Est-ce que je peux remonter un petit coup? Après, promis, j'irai manger un coup. Hop. Oh oui, ça a l'air bien ici. Il y a plein de monstres. Éliminer ces spectres jusqu'au dernier. Ouais, je confirme, je crois que c'est moi. Ouais, ouais, mais je suis juste à côté de toi. Nord-est. Nord. Chouchou est morte. Alors Chouchou, elle est où? Non, je vais pas prendre ton sac, je vais te prendre, je vais te ressusciter toi. Comment on fait pour te ressusciter? Bon, je vais prendre tes trucs. Voilà, interagir, réanimation. Oh, merci. Bon, j'ai dû prendre une partie de ton inventaire pour accéder à toi, hein, oh. Mais. Ah, bah oui! Mes loot! C'est pas grave! fallait pas mourir! Ouais! Ah, ils nous ont donné un parchemin là-bas! Inonder le présent de vie et d'eau! Dit comme ça, ça a l'air fastoche, mais. Il faut arroser l'arbre qu'on a planté dans le passé. Bah oui, mais j'ai juste un petit souci du coup. C'est que vu que je suis raise, eh ben j'ai zéro en eau dans ma torche. Dans ta gourde. Dans ma gourde. Tiens, il y a une essence gelée derrière toi là qui traîne au sol et je peux pas la prendre. Ouais, mais moi je peux aller planter. Oui. Alors, l'autre arbre, il est où? Ce serait plein est? Oh bah c'est les deux qui sont à droite et à gauche, là. Celui qui est ici et... Celui qui est là! Là, je vois pas où il est, ton là. Bah juste là où je suis. Ah, parce que moi il me dit qu'on... Ah oui, non, si tu les avais plantés dans l'autre temple, on n'est pas obligé d'aller à l'autre temple. Non, d'accord. On n'est pas obligé d'aller à l'autre temple, c'est ces deux-là. Ouais, ouais, alors attends que je tombe. Voilà, hop. Est-ce que je peux pas avoir un petit TP? Je vais refaire le sud. Ouais, je vais faire ça, je vais aller. TP pour. Voilà, ils sont arrosés. Et. Maintenant, il faut aller au temple du futur. Ouais. Qui est plein est. Enfin, je pense. C'est le seul truc que je vois, Marc. Avec une gueule d'Atrox. Moi, je vais surtout
rentrer à la maison, remplir ma gourde. Parce que là... Quoi? J'ai pas assez d'essence? Non mais sérieux? Je peux pas manger un truc qui va me donner de l'essence. Ça... Qui va me faire encore plus mourir de soif. Et comme ça, on pourra trouver le temple du futur! Ouais, je crois que j'ai déjà trouvé, moi. Voilà. Brodaf, il est trop fort. Allez, on va boire un coup. Hop là. Non, c'est un truc qui me propose de faire des clés, c'est pas le temple. Par contre, j'ai l'impression d'avoir trouvé une caverne. J'allais voir ce que c'est. Oh! Ah, mais j'ai plus de vie du tout! Mais Chocho! Fais-moi un cataplasme là. Alors, si t'en as en rap des cataplasmes, je suis pas contre. Bah, je peux en faire, vu que je suis rentré. Ah bah du coup, on peut donner son fragment à Vidias. Vu que je suis à la maison. Yes, ça nous a débloqué 2 succès. Ouais. Bon, il y a juste des minéraux dans le dans la caverne. Oh. Oh, c'est mieux que rien, mais ça reste quand même un peu dommage. Ah, quoique, par ici, il y a quoi? Il y a un petit chemin qui me fait passer derrière. Qui a pas l'air d'apporter quoi que ce soit de plus. Bon, je suis pas mal là. Oh! Je sais pas ce que j'ai fait, mais. On a fini Burinage! Oh, et Burinage. On peut prendre Symbiose en arcane. Intégrer des plantes vivaces à vos symboles et à vos structures pour obtenir des effets supplémentaires. Thank you.
Un coffre. Qui avait juste une clé. Ok. Oh, c'est triste, juste une clé. Ouais, je me suis un peu fait avoir là sur la marchandise. Mais, alors en dessous, il y a une autre entrée. Je peux faire ça. Alors. Un petit peu vide cette maison. Bronzage. Ouais, je plante des trucs. Alors, il y en a qui essaient de poursuivre l'histoire principale, hein, et d'autres qui font la crêpe au soleil. D'accord. Il y avait rien de bien intéressant dans cette maison. Voilà. Et je te rejoins. Ah bah, c'est pas là où je suis en tout cas. Hein. Oui, enfin, de toute façon, il faudra déjà que je me TP. Ah mais... il est apparu le symbole sur ma carte. Le portail serpent. C'est beaucoup plus simple quand on a un symbole sur la carte pour savoir où on doit aller. Ah, j'ai pas rempli mon outre. Quel con. Mais qu'est-ce que je suis con, des fois. Ben, je repars. Voilà, avec une outre pleine. Là, on va manger ça. Ah non, je peux plus en manger. D'accord. Alors, retourner au temple du futur. Wow. Ah bah tu l'as trouvé le temple. Oui. Bah oui, il y avait le petit symbole sur ma carte. On pourra enfin utiliser les hôtels d'Arx. Pour autre chose que d'avoir des clés. Ouais, pas sur ma carte. Bah, tu dois me voir. C'est le portail serpent. Ah voilà, ça y est. Si ça peut t'aider. Ah oui, mais là je suis assez loin d'un de portail. En même temps... Ouais, on a eu droit à la bénédiction d'Horos. On est trop fort, on est trop fort. Et on peut... Un portail pour venir. Récupérer une aiguille temporelle. J'attends que tu viennes. T'es loin? Ah oui, t'es un peu loin. Oui, mais si je trouve un portail, ça va vite. Il y en a pas très loin.
Alors, il est où le portail maintenant? Par là. Voilà, je me téléporte au portail serpent. Ouais. Alors... Ah bah t'as bougé toi. Oui, je suis parti... Enfin, je me suis éloigné de 3 mètres et demi pour... taper sur un petit avant-poste. Voilà, j'ai récupéré l'aiguille. Trop fort. Et plantation alpina. Je sais pas si tu l'avais pris ça. Non, j'ai pas pris. Il te le donne après. Transformer une céleste roche, une céleste roche torche adulte en mer des montagnes. Je sais pas trop ce qu'ils entendent par là. Est-ce qu'elles sont adultes celles-là? Ah, elles sont adultes, mais on peut pas. Comment ça, elles sont adultes, mais on peut pas. Mais t'es où? Bah juste, je prie celle du temple. Ah oui, d'accord. Mais y'a pas transformé en mer des montagnes. Bah on a peut-être pas encore le truc pour les transformer. Ah oui, ça demande peut-être une bénédiction ou un truc du genre. Déjà dans la quête, ils te disent ça comment? Alors, il faut un éventail d'ombrelles x5 et des fruits lanternes x3. Ah! J'ai rien de tout ça. Est-ce qu'on a ça à la maison? Possible. Moi j'allais remplir ma gourde déjà. J'ai rempli ma gourde et vidé les sacoches. Ouais. Ah là là. Les divinités nous ont octroyé un grand pouvoir, mais elles nous ont pas dit la vérité. Alors, il faut donner un talisman des flammes à Arx dans les
dunes, une plume brillante à Arx dans les salines, les ciseaux à Arx dans le canyon et l'aiguille temporelle à Arx dans les montagnes. Bah, la seule chose que j'ai peut-être pas en stock, c'est la plume brillante. Ouais, mais on va voir ça au prochain épisode. Oh là là! C'est déjà l'heure de se quitter! Ben oui, regarde ton chrono. Ouais, bah en tout cas, c'était un plaisir, mon cher Brodaf. Attends, je suis en train de vider un peu les sacoches avant. Parce que j'en ai en tasse du merdier à force. Bah ouais. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la vue de Chobiti. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces bleus, à partager les vidéos, ça aide au référencement. Puis, nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye Chobiti. Bye bye Brodaf. Bye bye tout le monde.